Bonsoir. Décidément, en ce moment, c'est un vrai défilé de semi-holo vintage de chez Gibson, qui en plus ont toute la particularité de sonner d'enfer. Cette ES-345 de 1969 ne fait pas exception à la règle, d'autant plus qu'elle est pré-modifiée comme il aurait fallu le faire, c'est-à-dire qu'elle n'est plus stéréo, contrairement à ce qu'indique le petit cache Trussroad, mais que le varitone est quand même dans le circuit. Donc vous pouvez profiter de cette bizarrerie historique qui malgré tout peut quand même vous remplacer une pédale d'EQ si vous savez vous en servir un peu correctement, sans pour autant être obligé de vous déplacer avec le fameux jack adaptateur stéréo vers mono. Le meilleur des deux mondes, et surtout une magnifique guitare hyper inspirante. Thank you.